On l'acclame très très fort. Il est merveilleux, notre Seigneur Jésus. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Il est bon, notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Vraiment, que le Seigneur soit béni. Il nous fait du bien. Il nous vraiment fait du bien parce qu'il est le Dieu d'amour. Alléluia. Vraiment, pour aller devant sa présence, on doit vraiment être comme des enfants. Alléluia. Ah oui. On ne vient pas devant le Seigneur avec ta connaissance. Dieu, il sait que tu ne connais rien. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu as pris à l'école. Même si tu as bac plus 5, bac plus 10, mais devant Dieu, tu es zéro. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ a fait le choix de gens qui n'ont même pas été à l'école pour montrer sa puissance. Alléluia. Pour montrer qu'il est capable de tout. Toi qui l'as négligé, méprisé, si tu es humble devant le Seigneur te donnera l'intelligence, la sagesse. Il est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux, notre Seigneur. Pendant que je vous parle, le ciel s'ouvre. Les anges nous entourent dans cette salle. Sa présence est vraiment là. Il veut vraiment qu'on soit comme des enfants. La Bible dit même le 24 vieillard. Alléluia. Certes, ils avaient des couronnes, mais ils ont jeté leur couronne. Ils ont mis leur titre à côté. Mais devant le roi des rois, devant le seigneur des seigneurs, devant le tout-puissant, ils ont dit que nous sommes rien. Ils méritent l'honneur, la gloire. Ils méritent l'adoration. Ce que nous allons faire tout simplement d'enlever nos couronnes, de donner toute la gloire à lui seul Dieu. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Le lion de la tribu de Juda. Il est glorieux. Il est glorieux, mes bien-aimés. Il est glorieux, notre Seigneur Jésus. Il est glorieux, notre Yahshua Mashiach. La Bible nous dit, nous le verrons tel qu'il est. Nous allons le voir dans sa gloire, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, quand il te visite, quand il te touche, tu n'es plus pareil. Quand il te touche, quand il vient toucher ton cœur, comme il a touché Paul. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus. Il n'y a que lui, pas un homme. Vous avez reçu de belles paroles des hommes. C'est les mêmes personnes qui vous ont déçu. Mais il y a un homme, mes bien-aimés. Il y a un homme. Quand il te dit quelque chose, ça s'accomplit. Quand il te promet quelque chose, quand il te parle quelque chose, ça vient droit de ton cœur. Ça te touche. Quand il te promet quelque chose, mes bien-aimés, la guérison, la restauration, et tu le verras. Quand il te promet quelque chose, mes bien-aimés, je vous dis la vérité. Mes bien-aimés, cette chose, ça s'accomplira certainement. Personne ne peut empêcher. La Bible dit, si Dieu s'enlève, s'il s'élève pour agir, qui va l'empêcher? La Bible dit, il tient le monde entier à sa main.
La terre, c'est son marchepied. Quand il marche, mes bien-aimés, oh mon Dieu, mon roi, tout tremble. Quand il marche sur la terre, mes bien-aimés, les sorciers plient les genoux. Quand il marche, quand il rentre dans ta maison, oh mon Dieu, Koriaba Santa, Jesus, il change tout. Il bouleverse tout. Quand il te touche, tu es devenu une nouvelle créature. C'est pour cela, mes bien-aimés, on doit l'aimer plus que tout. Parce qu'il est capable de tout. Si tu ne l'as pas encore aimé, aujourd'hui je te conseille de l'aimer. Plus que tout. De toute ta force. De toute ton âme. Aime-le. Aime-le, Jésus Christ de Nazareth. Le maître, il arrive. Aime-le. On doit l'aimer. C'est notre chéri. Koria ba chanta ba fai Jesus. C'est mon amour. Il est plus que tout. Jesus. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, mes bien-aimés. Ne viens pas ici forcément pour la guérison, pour la délivrance. D'abord, tu dois aimer premièrement Jésus. Il doit prendre place dans ton cœur. Il doit s'asseoir, mes bien-aimés. La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Comme tu es le temple du Saint-Esprit, Jésus-Christ est censé d'habiter. S'il habite en toi, tout change. Quelle maladie va résister si Christ est en toi? Jesus. My God, Jesus. Aime-le plus que tout. Qui peut te séparer de son amour? Si il te tient dans sa main, qui viendra te l'arracher? Personne. Personne, mes bien-aimés. David dit, le Seigneur, il m'entoure par derrière et par devant. Et sa main puissante est sur moi. Et quand sa main est sur toi, mes bien-aimés, qui viendra encore, oh Jésus, qui viendra encore, oh, t'attaquer, qui viendra encore, oh Dieu de gloire, t'envoûter, qui viendra encore, oh Dieu de gloire, te déloger là où il t'a mis? Personne! Parce que sa main puissante est là. Personne! Jesus. Oh mon Dieu, mon roi. Il y a des maladies bizarres qui sortent, qui quittent des corps ici. Parce que le Seigneur est là pour guérir son cœur, son peuple. Le Seigneur est là pour restaurer son peuple. Le Seigneur est là pour fortifier. Jesus. My God, Jesus. Sa main puissante est sur nous. Sa main puissante est sur nous. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs. Le Tout-Puissant. Tu fais partie de son armée. Tu fais partie de son armée. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus.
Papa, merci. Merci Adonai. Merci Papa. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Oh mon Dieu, mon roi, Père. Oh, il veut que vous devez soyez des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui aiment la prière, qui aiment rester dans sa présence. Demeureux dans sa présence. Demeureux dans sa présence. Parce que Dieu aime ça. Dieu veut te voir dans sa présence. Dieu veut dans, oh mon Dieu, mon roi, dans sa présence. Il veut que tu t'exprimes dans sa présence. Il est là pour t'écouter. Oh. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Toi qui es là, tu pleures par rapport à ta situation. Tu pleures, tu gémisses. Tu as même du mal à dormir pour ta situation. Le Seigneur me dit de te dire, tiens-toi tout simplement dans sa présence. Dans sa présence, il essuiera tes larmes. Il va sécher tes larmes. Oh, korabashanta basheke. Oh Jésus, il est là pour te consoler. My God, Jesus. Oui. Oui, je t'adore. Oh, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. Laquelle je vis, oh, c'est la raison. Je vis pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Adore-le, adore-le. Alléluia, Jésus. Yeah, yeah.
raison de vie, c'est de t'adorer. Et je t'adorer. Oui, t'adorer. Seigneur, si je vis, c'est pour t'adorer. Ma raison de vivre, Seigneur, c'est pour t'exalter. Père, ma raison de vivre, Seigneur Dieu, c'est pour élever ton Saint-Nom. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, tu es Dieu. Seigneur, je te dis, tu es Dieu. Même si les hommes ne veulent pas reconnaître ta seigneurie, ta grandeur, mais moi je te dis ce soir, Seigneur, tu es Dieu. Tu es l'unique Dieu. C'est le Dieu Père de gloire qui a créé le ciel et la terre. C'est toi qui prends la décision dans notre vie. C'est toi, Seigneur, quand tu arrêtes quelque chose, personne ne peut, Seigneur Dieu de gloire, te contredire. Parce que tu es Dieu Père de gloire. C'est toi, Seigneur, que tu as mis de limites, Père, dans les océans, dans les mers. Oh Père, tu es Dieu, Papa. Gloire à toi, Adonai. Nous voulons élever ton Saint-Nom. Alléluia. 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 Jésus. Merci, Papa. Oh, notre maître est là. Je vous dis la vérité. Notre maître est là. Il est là pour essuyer tes larmes. Merci, Saint-Esprit. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas le matériel qui va me séparer avec Jésus. Ce n'est pas un homme ou une femme qui va te séparer avec ton Jésus. Si tu es là parce que tu l'aimes, et si tu es là, tu veux vraiment que le Seigneur se révèle dans ta vie. Oh Jésus, même si tu as longtemps pleuré, mais il y a un jour, il viendra sécher tes larmes. La Bible dit chaque chose en son temps. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Oh Jésus. Aujourd'hui tu pleures, mais demain tu vas bien rigoler. Le Seigneur permet certaines situations afin que tu puisses expérimenter qui est Dieu. Tu le cherches encore de tout ton cœur, de toute ton âme. Parce qu'il permet des tribulations. Il permet des combats. Il permet de rejeter. Il permet que les gens puissent te rejeter. Il permet toutes ces choses-là. Enfin, pour t'enseigner que c'est lui seul qui permet cette situation. Afin de te ramener vers lui. Il veut te changer. Il veut te laver, te purifier. Il veut t'enseigner. Il veut enlever ton... C'est-à-dire, l'homme qui était en toi, il veut te faire une nouvelle créature. Un homme fait, une femme faite. Oh Jésus. Oh Jésus. Il est là pour toi. Il est là pour toi.
Il est là pour toi. Oh, Jesus. 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 Ce qui est sûr. Ce qui est sûr. Ce qui est sûr. Même si des hommes t'ont condamné. Jésus te dit ce soir. Cette parole est brisée. Cette parole est brisée. Les paroles de condamnation des hommes. Jésus, il met sa main, il brise cette parole. Parce que cette parole-là, tu as mis ça dans ton cœur. Tu as mis ça dans tes pensées. Tu marches avec. Mais Dieu me dit de te dire que cette parole-là est brisée aujourd'hui. Est brisée aujourd'hui. Est brisée aujourd'hui. C'est-à-dire, il brise des chaînes là où tu étais attaché, là où tu étais enchaîné. Le Seigneur est là pour briser. Jesus, go rabasanta. Il est là pour briser cette condamnation. Parce que c'est lui qui a parlé le premier. Les hommes ont parlé après. Mais c'est lui qui a parlé le premier. De les commencements. C'est lui qui a parlé de le premier. Oh. C'est pour cela là où tu souffres. Par rapport à tes fibromes. Le Seigneur pose sa main. Tu vas vomir cette fibrone là. Tu vas vomir ça au nom de Jésus. Cette fibrone là qui te ronge. Cette fibrone qui te ronge. Même tu veux même subir l'opération. Mais le Seigneur me dit de te dire, là cette opération là ça ne va pas se passer. Lui-même est en train de te guérir. Ça va remonter, ça va partir. Tu vas vomir ça au nom de Jésus. Tu vas vomir ça au nom de Jésus. Cette fibrone là va partir, va te laisser, vraiment te quitter. Cette fibrone, il y a longtemps que ça te dérange. Le Seigneur est là pour briser. Parce que cette maladie qui vient tout droit de la sorcellerie. Le Seigneur brise ça. Le Seigneur brise ça. Oh Père, merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans 1 Jean 5? Jean 5, 19. Jean 5, 19. Vous y êtes? Jean 5, 19. Ceux qui ont des BJC révisés, page 1149. La Bible nous dit, nous savons que nous sommes nés de Dieu, mais le monde entier est plongé dans le mal. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, et en son Fils Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu et la vie éternelle. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Tu es Dieu. Merci pour nos cœurs disposés, papa. Tu vas nous enseigner, papa. Que ton esprit nous enseigne, Adonai, notre Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. 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 Alléluia. La Bible nous dit, mes bien-aimés,
Nous savons que nous sommes nés de Dieu, mais le monde entier est plongé dans le mal. Amen. Le monde entier est plongé dans le mal. Dans d'autres versions, le monde entier est sous l'emprise. Alléluia. C'est-à-dire le diable, c'est lui qui gère le monde. Alléluia. C'est lui qui tient le monde entier. C'est lui qui met des choses et qui ne donne pas gloire au Seigneur. Alléluia. C'est ça que dans 1 Jean, la Bible nous interpelle. Nous devons connaître toutes ces choses-là. Nous vivons dans un monde où il y a trop de choses. Nous vivons dans un monde où il y a trop de problèmes. Alléluia. Les choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Et si nous regardons même dans nos infos, à la télé, vous voyez voir, il n'y a même pas de bonnes nouvelles. Il n'y a que de guerre, il y a des informations qui découragent. Alléluia. Des informations qui, ça dit, c'est pour vous éloigner dans la présence du Seigneur. C'est pour nous distraire. C'est pour cela, tant que chrétien, tant qu'un enfant de Dieu, nous devons faire très attention, mes bien-aimés. Alléluia. Et le Seigneur, déjà, il savait ça depuis. Il a créé le monde. Que le monde entier, depuis que le diable s'est précipité sur la terre, Dieu l'a précipité sur la terre, mes bien-aimés. Maintenant, il est venu pour détruire le monde. Alléluia. Et détruire le monde et les enfants, le véritable enfant de Dieu. Le véritable enfant de Dieu, mes bien-aimés. C'est terrible. C'est pour cela, toi, chrétien, que tu es là. Devant comprendre ces choses-là. Que le monde où tu vis, il y a tant de problèmes. Et si tu restes dans la distraction, mes bien-aimés, le diable va t'attraper. C'est pour ça que la Bible nous recommande, veillez et priez. Alléluia. Afin de ne pas tomber dans la tentation, mes bien-aimés. De ne pas tomber dans le piège du diable. Parce qu'il est là pour te détruire. Sa mission est là. Sa mission, c'est pour te détruire. C'est pareil comme Dieu t'a missionné ici sur cette terre. Et le diable aussi, il a missionné ses acolytes pour détruire les vrais enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour détruire les vrais enfants de Dieu. Pour te détruire. Pour te ramener dans le péché. De faire des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Oh, beaucoup oublient que le Seigneur t'a créé pour son adoration. Alléluia. Tu es là pour l'adoration. Quand Dieu te voit, quand tu marches, le Seigneur, il est content de toi. Il dit que regarde mon fils, regarde ma fille. Alléluia. Il marche dans sa vie, dans la sainteté. Alléluia. Comme Dieu a présenté Job devant le diable. Dieu, il était fier de Job. As-tu vu mon fils et Job? Alléluia. Craignant Dieu, intègre. Pourquoi Job, il était intègre? Parce que Job, il avait la crainte de Dieu. Parce que Job, il marchait dans la sanctification. Parce que Job aimait le Seigneur. Parce que Job aimait adorer le Seigneur. Parce que Job aimait servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Job aimait le Seigneur plus que tout. Certes, il avait des biens. Mais il a mis tous les biens qu'il avait, il a mis ça de côté. Premièrement, c'était le Seigneur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras Jésus de tout ton cœur. Alléluia. Parce que si tu n'aimes pas vraiment Dieu dans ton cœur sincère, mais bien aimé, tu vas rentrer dans le piège du monde. Parce que le diable va t'attraper. C'est pour cela que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de yo-yo. Il faut savoir ce que tu veux. Tu n'es pas venu en Christ pour chercher un mariage. Ou je ne sais pas, le bien matériel. Tu es venu en Christ parce que pour que le Seigneur, alléluia, puisse t'agréer. Alléluia. Que tu sois agréable à Dieu. C'est merveilleux, mes bien-aimés.
Parce que le monde va mal. Le diable gère tout. Nous, chrétiens, devons faire très attention. Nous devons se réveiller davantage. Sonner la trompette. Alléluia. Sonner les chauffards. D'interpeller le monde que Jésus-Christ revient bientôt. Que Jésus-Christ, il arrive pour chercher son église. Ne cherchez pas les choses de ce monde. Ne cherchez pas l'argent, mes bien-aimés. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Parce que c'est le ciel qui va te payer, mes bien-aimés. Là-haut, on va rester pour l'éternité, mes bien-aimés. Là-haut, il n'y aura pas la souffrance, mes bien-aimés. Là-haut, il n'y aura pas de dette, mes bien-aimés. Là-haut, il y aura, ça, nous serons que dans la joie. Parce que nous sommes devant le roi des rois, devant le maître, oh mon Dieu, mon roi, devant Yahushua HaMashiach, oh mon Dieu, nous le verrons tel qu'il est, oh mon Dieu, mon roi, oh dans sa bonté. Il ne faut pas rater ces jours-là. Il ne faut pas rater ces jours-là, mes bien-aimés. Or, le diable, dans son plan, il veut te faire rater ces jours-là. Pour ça, il te propose des biens matériels. Pour ça, il te met des mauvaises pensées dans ta tête. Pourquoi il veut t'écarter dans les droits chemins. Il te dit, regarde, depuis que tu pries, tu n'as rien. Depuis que tu commences à prier, tu es célibataire. Tu n'as même, depuis que tu t'es marié, tu n'as pas des enfants. Est-ce que ton Dieu, il est juste ou il est injuste? Et moi, je lui répondrai. Je ne sers pas mon Dieu pour avoir toutes ces choses-là. Parce que premièrement, je l'aime. Premièrement, je l'aime de tout mon cœur. De tout mon cœur. Premièrement, je l'aime. Il veut t'entraîner dans le péché. Mes bien-aimés, regardons tout ce qui se passe sous nos yeux. Regardons tout ce qui se passe dans nos assemblées. Plus en plus, ça commence à devenir encore pire. Les chrétiens sont blessés. Pourquoi? Ils se sont attachés aux hommes. Soi-disant pasteur, apôtre, bishop, évangéliste. On vous a présenté un Jésus mendiant. Un Jésus qui n'agit pas. Un Jésus qui est fatigué. Un Jésus qui a déjà vieilli. Mais moi, je te dis, mes bien-aimés, je te présente un Jésus qui est mort ressuscité. Amen. Mort ressuscité. Un Jésus qui a dit sur la croix de Golgotha, Père, pardonne-leur. Jésus mort ressuscité, Jésus il est la vie. Il vit éternellement. Il vit éternellement, mes bien-aimés. Bouddha, il est encore dans le tombeau. Kimbangu, pareil. Krishna, il est encore là. Mais il y a un homme que la terre n'a pas pu le retenir. La terre a dit, mais c'est toi qui m'as créé. Pourquoi tu es encore là? Je ne peux pas te supporter. Il faut que tu rentres là où tu habites. Amen. Jesus. Je ne peux pas te supporter. Tu es le grand Dieu. La terre a appuyé ses genoux. Non, vas-y. Il a dit, non, laisse-moi même pendant 3 jours ici pour sauver mes frères, pour sauver mes soeurs. 3 jours tout simplement, pas beaucoup, pas 4, mais 3 tout simplement. Mais 3 jours, j'étais dur. Sous la terre. Oh Jésus. Oh Dieu. Amen. Jésus. Il savait que tu seras dans ce monde. Que quelles que soient des tribulations, tu vas y arriver. Quelles que soient des combats, tu vas y arriver. Quelles que soient des rejets, tu vas tenir debout. Quelles que soient des mauvaises paroles, tu vas y arriver. Parce que tu fais partie de l'armée de l'éternel. Oh mon Dieu, tu as l'autorité que le Seigneur t'a donnée. L'autorité. Jesus.
cette autorité, ça ne vient pas des hommes, ni des pasteurs, ni des apôtres, mais ça vient là-haut. Quand il te donne un mandat, oh Dieu de gloire, quand il te donne, il dit, mon fils, ma fille, va. Je te donne l'ordre. Qui va t'empêcher? Quel ministère qui va empêcher le mandat que le Seigneur t'a donné, le bâton que le Seigneur t'a donné pour aller libérer son peuple, pour aller enseigner son peuple, pour aller quel homme, mon Dieu, mon roi, dans les hôpitaux, oh Dieu, dans les prisons. Jesus. Le mandat de Dieu. Ce qui est bien avec Jésus, il nous a informé que le monde va mal. Le monde est sous l'emprise du diable. Faites très attention. Ne suis pas le monde. Tout cela passera. Mais moi, Jésus, ne passerai jamais. Vous êtes là seulement pour un peu de temps. Je vous ai envoyé tout simplement vous faire un travail. Mais quand le travail va finir, je viendrai vous chercher. Oh mon Dieu, mon roi, parce que là où, oh mon Dieu, j'ai préparé le place pour vous. C'est pour cela, mes bien-aimés, ne dormez pas. Ne restez pas dans ton coin. Ne soyez pas timide. Alléluia. Il faut avoir cet esprit de force. Le Saint-Esprit, alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, il y a cet esprit de force là. Quand tu vas parler, le cœur sera touché. Oh mon Dieu, quand tu vas prier pour les malades, les gens seront guéris. Oh Jésus. Parce que le Saint-Esprit est là pour t'accompagner. Parce que tu ne te fais pas partie dans une religion ou dans une église de bâtiment. Tu appartiens à Dieu, seul Jésus. Personne qui te contrôle, aucun pasteur. Personne ne te contrôle parce que tu es contrôlé que par lui-même, le Seigneur des Seigneurs. Parce que quand tu vas parler, oh mon Dieu, mon roi, tu auras peur de personne. Tu auras peur de personne parce que tu ne veux pas suivre les mondes. Parce que tu ne veux pas suivre le diable. Parce que tu veux faire que la volonté du Seigneur Jésus. Parce que tu veux faire plaire à Dieu. Ah oui. Ah oui. Comme tu sais que le monde est sous l'emprise du diable, avec l'autorité que le Seigneur t'a donnée, avec la grâce de l'intercession que le Seigneur t'a communiquée, à travers tes prières, tu vas aller libérer des âmes. Tu vas aller déchaîner des âmes. Tu vas, oh Jésus, pendant que tu, oh Dieu de gloire, il y a des hommes et des femmes de prière dans cette salle. Que les femmes que Dieu a établies, que le Seigneur a équipées. Les femmes de prière, des hommes de prière. Jesus. Oh my God, Jesus. Des hommes et des femmes de prière. Oh, il y a longtemps que tu es resté sur place. Il y a longtemps que tu t'es caché dans ta maison. Le Seigneur aujourd'hui, oh mon Dieu, mon roi, il t'expose maintenant. Oh Dieu de gloire, tu vas commencer à prier sans cesse. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. De prière prophétique. Jesus. Jesus. Oh, Ribanda Saga. Oh, Jésus est là. Notre maître est là. Il remplit son peuple. Il remplit ses enfants. Oh Dieu de gloire. Merci Jésus. Il dit, je ne t'ai pas envoyé cet esprit de tristesse. Cet esprit, je te donne, c'est l'esprit de, c'est-à-dire d'une femme de prière. D'une femme de feu. Il y a longtemps que les hommes ont voulu t'étouffer. Mais aujourd'hui, le Seigneur te relève encore davantage. Oh my God, Jesus. Ah.
parce que le monde va mal. Tu as besoin des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche pour prier pour les nations, pour prier pour l'église, pour prier pour le peuple, pour prier pour le monde entier. Oh Dieu, le temps est arrivé. Le temps est là. Le temps est là. Ne restez pas sur vos chaises. Ne restez pas dans vos lits. Ne restez pas dans vos maisons. Ne restez pas sur place. Ne stagnez pas. Levez-vous. 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 Allez proclamer la bonne nouvelle. Parce que le monde va mal. Le monde va mal. Il y a tant de maladies. Il y a tant de problèmes dans les foyers. Tant de problèmes dans les familles. Et le Seigneur veut restaurer les familles. Et le Seigneur veut restaurer son peuple. Il va passer à travers toi. À travers toi que le Seigneur va passer. De la même manière qu'il a, il a utilisé Paul. Il a utilisé Pierre. Il a utilisé Jean. Le Seigneur là n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Oh Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, je vous dis la vérité, il y a des anges qui sont dans cette salle. Il y a des anges, Dieu a dépêché 4 anges ici. Il est dans cette salle pour, avec des coupes d'huile pour remplir ses bien-aimés, pour remplir ses enfants. Oh Dieu, pour oh Jésus. Mon peuple, je vous dis la vérité, le monde va mal. Oh Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, reçois ta gloire. Le monde va mal. Le monde va mal. Plus en plus, ils sont en train de prendre des décisions pour détruire les vrais enfants de Dieu, pour détruire l'église, pour étouffer la gloire de Dieu. Plus en plus, ils prennent des décisions. Ils votent des lois pour, oh mon Dieu, mon roi, pour vous étouffer, pour nous empêcher de proclamer haut et fort que Jésus-Christ revient. C'est pour cela que nous devons se réveiller, se lever dans sa présence, se lever dans sa présence, parce que le monde va mal. Jésus revient, le monde va mal, le monde est sous l'emprise, le monde est malade. Partout il y a des guerres. Partout il y a des tremblements de terre. Regarde tout ce qui s'est passé. Regarde tout ce qui s'est passé en Chine. Regarde cet incendie. Comment il a tué des gens. Regarde vous-même sous nos yeux, mes bien-aimés. Levons-nous dans sa présence. Priez pour l'église. Priez pour les nations, mes bien-aimés. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Le monde entier est plongé. Vous pouvez la calmer, s'il vous plaît. Merci Seigneur Jésus. Là, vous avez acclamé un homme. Clamez pour Jésus. Acclame-le. Notre Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des nations. Sois l'honneur, la gloire.
Alléluia. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Pour sauver le monde, mes bien-aimés. Mais le diable ne veut pas. Il veut empêcher la gloire de Dieu. Il veut empêcher toi et moi, en fait, qu'on ne puisse pas percer dans la présence du Seigneur. Il veut que nous mourons dans l'ignorance. Mais Dieu ne veut pas ça. C'est pour cela qu'il veut nous interpeller. Que le monde va mal. N'allez pas chercher des hommes dans les assemblées. N'allez pas chercher des biens matériels. Allez chercher Jésus. Alléluia. Même chez toi, dans ta maison, cherche Jésus de tout ton cœur. Cherche Jésus. Il va se révéler dans ta vie. Alléluia. Prenons Jérémie 11. Alléluia. Merci Seigneur. Jérémie 11. Pardon, Jérémie 29, 11. Excusez-moi. J'ai lu. Car je sais que les pensées que j'ai pour vous, dit Yahweh, sont des pensées de paix et non pas d'adversité pour vous donner une fin telle que vous espérez. Alors, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Car je sais que les pensées que j'ai pour vous, dit Yahweh, sont des pensées de paix. Alléluia. Jésus dit, je suis venu vous donner la paix. Non la paix selon le monde. Alléluia. Non la paix selon le monde, mes bien-aimés. Mais la paix de Jésus. Alléluia. Même s'il y a la souffrance, même s'il y a des combats, comme il y a la paix de Jésus, tu vas commencer à glorifier Jésus. Alléluia. Tu vas commencer à aimer encore plus que Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a la paix de Jésus. Il a des projets de paix, de bonheur. Ce n'est pas le bonheur selon le monde. Regardez le monde. Il y a des organismes. Alléluia. Il y a l'ONU. Il y a l'OMS. Alléluia. Mais il n'y a pas la paix. Partout, il y a des guerres. Partout, il y a la famine. Regardez sous nos yeux. La paix selon le monde. Regardez, plein de fabrications des armes. Mais il n'y a toujours pas la paix. Il n'y a que des problèmes. Plus en plus, ils créent des armes, plus en plus, les problèmes, ça augmente. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui est sûr, mes bien-aimés, si tu es en Jésus-Christ de Nazareth, même s'il y a des mauvaises nouvelles à la télé, mes bien-aimés, mais comme il y a la paix de Jésus, tu vas dire, Seigneur, je sais que tu as créé le monde entier. Je sais que tu tiens le monde entier par sa main. Tout ce que les hommes sont en train de faire là, mais Seigneur, tout ça là, c'est rien.
Alléluia. Parce que tu as la paix de Jésus que de Nazareth. Cette paix, quand ça vient dans ta vie, mes bien-aimés, oh mon Dieu, mon roi, tu ne peux pas rester tel que tu es. Même s'il y a la, tribulation, même s'il y a des combats, comme il y a la paix de Dieu, même si tu n'as pas à manger, même si dans ton frigo il n'y a rien, comme il y a la paix, tu regardes que le ciel. Nous ne sommes pas dans un temps où pour chercher des biens matériels, nous sommes dans un temps où chercher que Jésus. Parce qu'il est déjà minuit moins 3. Alléluia. Alors, il est minuit moins 3. Tu cherches encore des biens matériels. Tu cherches encore des mariages. Tu cherches encore, je ne sais pas, avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Mais minuit moins 3, là, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça là? Je ne sais pas. On voit tout ce qui se passe dans le monde. Mais comme si on fait semblant. On voit des manifestations partout, des grèves partout. Ça doit t'interpeller que le maître, il est à la porte. Que l'homme impie, il est déjà là. Alléluia. Et si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la foi, est-ce que tu vas tenir? Tu ne peux pas. Parce qu'il y a l'oppression. Parce que le monde est là, il t'attire vers lui. Le monde est là pour te distraire. Le monde est là pour t'empêcher d'avoir la gloire de Dieu. La Bible nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas l'onction, mais la gloire de Dieu en permanence, c'est quelque chose. Même si tu n'as rien, mais s'il y a la gloire de Dieu, mes bien-aimés, oh Jésus, tu es toujours dans la joie. Parce qu'il y a la gloire en permanence. Alléluia. Parce que comme il y a la gloire, quand tu vas parler, rien que tu vas penser tout simplement, Dieu agit. Parce qu'il y a la gloire. Parce que tu as donné toute ta confiance là-haut. Parce que Jésus est là à tes côtés. Jésus est là pour te consoler. Jésus est là pour te fortifier. Jésus est là pour te relever. Jésus est là pour te faire marcher dans sa présence. Ça, il dit que j'ai des pensées de paix pour vous. Les pensées de paix. Des pensées de paix. Non des malheurs, mais les pensées de Jésus. Les pensées de Jésus. Regardez la vie des apôtres. Ils servaient Jésus avec zèle. Comme si le maître va arriver tout de suite. Ils ont tout laissé, tout délaissé. Ils ont tout mis à côté. Que Jésus-Christ de Nazareth. Que l'homme de Galilée. Parce qu'ils ont expérimenté. Ils ont vu comment il était. Il s'est révélé à Paul. Il a dit, oh, je n'ai jamais vu un homme comme cet homme, Jésus. Paul qui persécutait l'église, qui tuait les chrétiens même. Mais quand Christ s'est révélé dans sa vie, mes bien-aimés, il a tout mis à côté, malgré qu'il avait la connaissance de ce monde. Apôtre Paul, le but c'était que le ciel. C'est pour cela qu'il marchait, il voyait que le maître, il arrive là. Mes bien-aimés, ne soyez pas fatigués. N'abandonnez pas la vie chrétienne. Cause de biens matériels. Ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Le contraire, ça va t'empêcher d'avoir la gloire de Dieu. Parce que le monde, c'est le péché.
Le monde, c'est la distraction. Le monde est malade. Regarde sous nos yeux des cancers bizarres, des maladies bizarres. Même nos nourritures que nous consommons là, c'est compliqué. C'est compliqué, mes bien-aimés. Et si tu n'as pas Jésus dans tout ça, tu vas faire comment? Heureusement qu'il nous aime. Sa main est sur nous, mes bien-aimés. Regarde tout ce que nous mangeons. Parce que le monde veut détruire l'homme. Le diable veut détruire l'homme. Il a créé des armes. Il dit que nous-mêmes, les armes, ils sont toujours là. Maintenant, je vais détruire la nourriture. Je vais détruire la nourriture. Tout ce qu'ils vont consommer là, c'est là maintenant, je vais commencer à l'avoir un en un. Mais Dieu, dans son amour, comme il a un plan merveilleux, comme sa main est sur toi, tu ne mourras pas selon la volonté des hommes. Mais si lui-même il a permis, gloire à Dieu. Mais comme il a une mission pour toi, comme il t'a mandaté, personne ne va empêcher la mission que le Seigneur t'a donnée. Parce que quand il te missionne, il te donne aussi des munitions. Quand il te missionne, il te donne des équipements, tout ce qu'il faut. Il te donne tout ce qu'il faut. Je sais qu'il y aura des tribulations, il y aura des combats, mais tu vas tenir ferme. Tu vas tenir ferme. Tu vas tenir ferme. Tu vas tenir ferme. Même si les docteurs t'ont condamné, même s'il y a des mauvaises paroles, des paroles de malédiction, comme tu as Jésus, cette parole est nulle sans effet. Parce que le maître est là pour te délivrer, pour te consoler, pour te libérer. La Bible dit, il guérit toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Même si la maladie que le monde ont provoquée eux-mêmes. Mais si Christ lui-même pose sa main, et cette maladie quitte. Parce que c'est lui qui prend soin de ta vie. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi, mes bien-aimés. Il dit, Paul dit, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, le temple du Saint-Esprit, c'est comme si l'habitation de Jésus, n'est-ce pas? Alors, si Christ habite en toi, je ne sais pas quelle maladie viendra encore habiter. Alléluia. Alléluia. Amen. Si réellement Jésus-Christ vit en toi, il est là dans ta vie, il prend soin de toi, il prend contrôle de toutes les choses. Tu dis, Seigneur, prends contrôle de ma vie. Alors, qui viendra encore le déloger? Qui viendra? Personne. 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 Je voulais tout simplement te dire que cette maladie que tu as là, c'est tout simplement, c'est comme quelqu'un qui vient chez toi, c'est comme un visiteur. Alléluia. Il vient tout simplement te visiter, mais il finira toujours par... Parce que ce n'est pas sa maison. Ce n'est pas sa maison. Ce n'est pas sa maison. Si le célibat vient habiter dans ta vie, il finira toujours par... Parce que ce n'est pas sa demeure. Imaginez-vous quand vous recevez les gens chez vous. Même si, oh non, moi je vais rester un mois. Même s'ils rajoutent 2 mois. Mais toujours, oh, ici ce n'est pas chez moi. Je dois partir. Alléluia. 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 Oh mon Dieu, mon roi. C'est pour cela que ta maladie là, c'est fini. Sa mission. Sa mission. Sa mission. Il va maintenant lâcher vos corps complètement.
Je vous dis la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Parce que Jésus, là, il n'a pas changé. Jésus, là, il n'a pas changé. Il dit, le prince de ce monde, il vient, mais il n'a rien à moi. Alléluia. Toi aussi, tu diras, même si lui, il vient, là, il vient là, mais il n'a rien à moi. Parce que mon corps appartient à Yeshua, à Mashiach. Il n'a rien à moi. Sida, il n'a rien à moi. Cette maladie, il va quitter ton corps. Il va quitter ton corps. Il va quitter ton corps. Il va te libérer complètement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus que au nom de Jésus que de Nazareth. Alléluia. Oh Jésus. Il est là, maître. Alléluia. Cette maladie qui te ronge. Comme il y a une femme ici, tu as un cancer, le sein gauche, le Seigneur te guérit. Tu es là dans la salle. Ça fait longtemps. Lève tout simplement ta main là où tu es. Le Seigneur te guérit. Cet cancer là te laisse. Touche là où tu as mal. Cet cancer là de sein gauche, le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette maladie, cet cancer là, Dieu te libère. Parce que il s'est trompé l'adresse. Il s'est trompé l'adresse. Le Seigneur te libère. Femme, le Seigneur te libère. Je te dis la vérité. Je te dis là où tu as mal. Là où tu as mal. Tu as mal à l'oreille droite. Le Seigneur te libère complètement. Tu as du mal à entendre dans cette oreille droite. Le Seigneur te libère complètement. Et cette, oh mon Dieu, mon roi, je te dis la vérité. Tiens ces mains là où tu as mal. Là. Touche là. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il va témoigner ici devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Parce que le Seigneur t'a libéré de toutes sortes de maladies. Oh Jésus. Merci Adonai. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Seigneur Dieu de gloire. Gloire à toi Seigneur. Il y a une femme qui fait des fausses couches. Tu as fait au moins deux fausses couches. Jesus, tu es là dans la salle. Avance, on va prier pour toi. Oh mon Dieu, mon roi, tu as fait deux fausses couches. Le Seigneur me dit tout de suite là que Dieu veut te guérir dans ça. Parce qu'ils ont, il y a un serpent qui est sur ta taille. C'est cette serpent-là qui avale le superbe, tout ça. Le Seigneur veut vraiment te guérir. Le Seigneur veut te délivrer aujourd'hui. Avance devant. Le Seigneur va... Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, tu as fait deux fausses couches. Le Seigneur, il t'a vu comment tu pleurais, tout ça. Tu as perdu. Vraiment, quand ça vient là, vraiment, tu perds même contrôle. Jesus. Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut prier pour lui? Lève-toi, ma soeur, lève-toi. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Est-ce qu'on peut prier pour elle, s'il vous plaît? Seigneur, merci pour notre bien-aimé. Allez, lâche-la, maintenant. Lâche-la. Sors d'elle, au nom de Jésus. Libère-la. Maintenant. Au nom de Jésus, lâche-la. Lâche-la. Allez, lâche-la. Toi, serpent, lâche-la. Libère son ventre. Libère son ventre. Libère son ventre. Libère son ventre. Là. Allez, libère son ventre là. Libère son ventre là. Allez, lâche-la. Libère son ventre. Maintenant. Au nom de Jésus. Prends. Il n'y a pas un sac là. Elle va vomir tout ça là. Au nom de Jésus. Allez, lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Au nom de Jésus. Il y a une vieille dame qui est derrière tout ça là. Il y a une vieille. Allez, lâche-la. Je dis libère-la. Libère ses ventres. Libère ses ventres. Libère ce ventre là, libère là, maintenant. Elle t'est vomie. Elle sort d'elle maintenant. Elle sort d'elle, sort d'elle, sort d'elle, sort d'elle, sort d'elle, sort d'elle maintenant. Lâche-la.
Voilà, lâche-la. C'est pas lâche-la. Au nom de Jésus, ta mission est finie. Ta mission est finie maintenant. Voilà. Oh, tiens-la bien. Jesus. Oh, papa, merci. Oh, Dieu de gloire. Oh, Jésus. Oh, Père, c'est bon. C'est bon. Jesus. Alléluia. Oh, Père, merci, Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia. Ils ont mis un serpent. C'est comme il a mis, c'est comme une ceinture. C'est-à-dire, il avale tous les supermes, tout ça. C'est ça que ça provoque des fausses couches, tout ça. Vraiment, tu dois craindre le Seigneur. Vraiment, on acclame Jésus. C'est que Jésus qui peut le faire. Merci, Seigneur Jésus. Papa, merci, Seigneur. Adonai, notre Dieu le plus puissant. Il n'y a que toi, Seigneur, Dieu de gloire. Il n'y a que lui seul, Dieu, qui opère, qui fait son œuvre ici. Pas un homme, seul Jésus. Oh, Père de gloire. Alléluia, Seigneur. Il y a Jésus, mes bien-aimés. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut te guérir. Oh, Père éternel des armées. Jesus. Oh, Père. Alléluia, Seigneur, Dieu de gloire. Il y a une personne ici qui a fait des hypertensions. Hypertension, lève-toi. Cours vite, le Seigneur veut te guérir. Ça. Oh, Namashak, hypertension. Venez, venez, Dieu voir vous, Dieu. Oh, Jésus. Moi, j'ai prié pour toi. C'est bon pour toi. Moi, j'ai prié plusieurs fois. Jesus. Alléluia. Oh Dieu de gloire, le Seigneur va vous guérir. Alléluia Seigneur Dieu de gloire. J'appelle le bien-aimé Herman, priez pour le bien-aimé s'il vous plaît. Oh Seigneur. Guylaine, s'il te plaît, tu peux venir. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Seigneur va vous guérir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois délivré, libéré. Seigneur, merci. Jesus. Cette maladie quitte ses corps. Maintenant. Lâche-le. Lâche-le maintenant. Et sois libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-le. Lâche ses corps maintenant. Lâche-le. Lâche-le. Allez, sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle maintenant. Tu vas vomir tout ça là. Tu vas vomir. Tu vas vomir maintenant. Allez, sors. Vomis ça. Elle lâche. Libère-la. Libère ses corps. Elle libère-la. Je dis libère-la. Elle te vomit. Elle te vomit complètement. Elle te vomit. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Tu vas vomir ça. Tu vas vomir. Ça vient de la sorcellerie ça. Lâche. Lâche-la. Lâche-la. Sors de ses corps. Sors de ses corps. Sors de ses corps. Sors de ses corps. Je dis sors de ses corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Oh, Jesus. Le Seigneur te délivre. Oh, Père. Oh. Oh, Jesus. Oh, Shakaya, Shakaya. Jesus. Seigneur, merci. Ça va sortir là. Ça va partir, ça va partir, ça va partir. Ça va partir au nom de Jésus. Lâche-la. Allez, sors d'elle. Sors de ses corps. Sors d'elle. Sors d'elle. Elle te vomit. Elle te vomit. Pas au nom de Jésus. Allez, pas. Il n'y a pas de sac là, s'il vous plaît. Allez, sors. Elle vomit. Jesus. Oh, Jésus. Oh, Père éternel des armées. Jesus. Oh, Ndabashaka. Oh Père éternel des armées, tu es Dieu, Seigneur Jésus. Oh Rabasanta. Oh Namasaka. Il n'y a personne ici, quelqu'un ici qui est condamné par la médecine. Ici là. Tu es condamné par la médecine. 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 Les médecins t'ont condamné. Le Seigneur va te guérir là maintenant. Jesus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Père éternel des armées, il est Dieu. Oh Yamanasaka. Jesus. Au nom de sois libéré. Sois délivré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise cette condamnation. Au nom de Jésus.
au nom de Jésus. Jesus. Oh Père. Jesus. Alléluia. Oh Adonai. Alléluia. Alléluia. Il y a un esprit de célibat qui quitte quelqu'un ici. Il y a un esprit de célibat. Il y a un esprit de célibat qui quitte quelqu'un ici là. Le Seigneur est là pour te délivrer dans cet esprit de célibat. Au nom de Jésus, tu as fait une prière à Dieu. Le Seigneur, délivre-moi à cet esprit de célibat. Que les hommes, tous ceux que les hommes qui me rencontrent, tout ça là, ils viennent et partent. Cet esprit de célibat, le Seigneur te délivre aujourd'hui. Le Seigneur te délivre aujourd'hui. Cet esprit de célibat qui te prend. Lève-toi, ma soeur, lève-toi. Pas devant un homme. Cet esprit de célibat, il va te lâcher. Il va te libérer. Il va te libérer, cet esprit de célibat, au nom de Jésus. Lâche-le au nom de Jésus. Je dis, libère-la. Libère-la. Je dis, libère-la. Libère-la. Elle est là devant là, la femme. Là. Elle est là. Là. Libère-la. Libère-la. Allez, sortez. Allez, sortez. Sortez. Sors au nom de Jésus. Allez, sortez. Sortez. Sortez, je te dis, ta mission est finie. Sortez. Vous sortez cet esprit de célibat. Je vous dis, elle n'est pas seule. Il y en a beaucoup ici. Cet esprit qui. Il y en a beaucoup, l'esprit de célibat. Ici là, ça quitte, ça libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je dis, le Seigneur est là pour vous délivrer. Au nom de cet esprit de célibat, libère, libère. Oh Jésus, il était mort sur la croix afin que vous soyez libérés. Allez, sortez, sortez cet esprit de célibat. Lâche-la maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ta mission est finie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, elle va se marier. Marie de nuit. Marie de nuit, elle est sortie. Sortez. De Marie de nuit, elle est partie. Elle est partie. Oh Jésus. De Marie de nuit, vous quittez, vous quittez. Je vous donne l'eau, je vous commande de quitter ce corps. Jesus. Libérez ce corps-là. Je vous donne l'ordre au nom de Jésus. Vous libérez les enfants de Dieu. Le mari de nuit, je vous dis, vous libérez les corps, vous libérez des vies. Au nom de Jésus. Allez, lâche-la, lâche-la. Allez, sortez. Sortez. Allez, sortez. Sortez. Elle va tout vomir. Elle va tout vomir. Tu vas partir là. Tout vomir. Oh Jésus. Oh Père éternel des armées. Oh Jésus, le maître est là. Oh Jésus, alléluia. Koria basanta bashaka. Oh Yamanasaka, il libère. Je vous dis, il libère là. Il libère, ça vomit. Ça sort au nom de Jésus. Ramenez le sac là pour la soeur. Ça sort là, ça va partir. Jesus. Allez, sortez. 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 Allez, vous libérez. Vous libérez maintenant. Vous libérez. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu ne mourras pas. 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 Tu ne seras pas sacrifié. Oh Jésus. Jesus. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Le Seigneur t'accorde la vie. Oh Père. Oh Yabara Santa. Konda Baba Shente Baba. Oh, il est là pour nous délivrer. Il est là pour libérer son peuple. Je vous dis la vérité. Il libère. Il libère. Il guérit.
de maladies incurables, le Seigneur guérit. Je vous dis la vérité. Oh Jésus. Oh Jésus. Jesus. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Oh Papa. Oh le Dieu d'amour. Oh le Dieu d'amour. Oh my God Jesus. Oh. Le Seigneur tentait de briser une puissance de la franc-maçonnerie ici. Il y a une personne qui était. C'est-à-dire. Il y a quelqu'un de ta famille, il voulait te sacrifier. C'est un franc-maçon. Le Seigneur te délivre aujourd'hui. Le Seigneur te délivre aujourd'hui. Cette puissance de la franc-maçonnerie, le Seigneur brise ça au nom de Jésus. Lâche-la, allez sortez, 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 allez sortez, lâche-la, je dis pas, lâche-la, je dis libère-la maintenant, libère-la, je dis libère-la, je brise le cercueil là, je brise l'esprit des morts te quitte, l'esprit des morts, 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 je dis l'esprit des morts, lâche-la, allez sortez, je brise le cercueil au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit des morts, oh Jésus, Jésus est là pour délivrer son peuple. Tous les esprits des morts quittent les corps. Cet esprit de la franc-maçonnerie, le Seigneur, oh Dieu, oh Père, l'esprit des morts, il quitte. Jesus, Jesus, oh Rabba Santa, le Père est là. Il faut prier pour lui, il faut prier parce que il y a eu des rapports sexuels la nuit. Il faut prier. Mets ta main sur son bas ventre. Oh Père. Oh Père. Oh. Ton corps est divisé en deux. Tu as mal là. Là. Tu as mal là. Tu sens comme ton corps est divisé en deux. Tu as mal de partie gauche, là, le Seigneur est là pour te délivrer. Tu as mal là. Venez, le Seigneur est là pour te délivrer. Tu as mal, tu sens ton corps, c'est comme divisé. Lève-toi, ma soeur. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, Jesus. Père, merci. Lève tes mains. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, lâche. Lâche-la. Allez, lâche-la. Allez, lâche-la. Lâche-la, allez sauter au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père. Oh, tu ne mourras pas, tu vivras. 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 Il y a quelqu'un ici. Les sorciers de ta famille te réclament. Tu ne mourras pas, tu vivras. Pendant que je parle, la main de Dieu pose sur toi. Tu ne mourras pas, tu vivras. Avec cette maladie-là, oh, tu ne mourras pas, tu vivras. Le Seigneur te délivre. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La sorcellerie ne veut pas t'atteindre. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Sois libéré maintenant. Tu libères cette femme. Tu libères cette femme. Tu libères cette femme. Tu libères cette femme maintenant. Les sorciers de ta famille veulent te manger. Ils ont mis un délai jusqu'à la fin de l'année. Mais le Seigneur me te dit, te donne la vie. Il t'accorde la vie. Il t'accorde la vie. Jesus. 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 Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Priez pour les gens, s'il vous plaît, mon frère Blanchard. Oh Jésus. Oh Jésus. Mais bien aimé, priez, priez. Ne me regardez pas, priez dans vos cœurs.
prier le Seigneur. Oh Jésus, oh Père, oh Adonai, Jesus, Jesus, Jesus. Papa, merci. Papa, merci. C'est plus fort. 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 Cette maladie de paralysie. Cette maladie de paralysie. Que le médecin, là où ils t'ont condamné, le Seigneur est là pour te délivrer. Cette paralysie là. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Cette maladie de paralysie, le Seigneur est là pour te délivrer. Cette maladie, Dieu a vu cette maladie de paralysie là. Oh Adonai. Jesus. Au nom de Jésus. Elle libère ses corps là. Libère là. Libère ses corps au nom de Jésus. Je commande à cette maladie de quitter ses corps maintenant. Au nom de Jésus. Les mouvements que tu n'arrivais pas à faire, tu vas commencer à le faire. Là où tu as mal, là où il y a les douleurs, le Seigneur te guérit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de, je te dis au nom de Jésus, cette maladie quitte ses corps maintenant. Quitte-la. Quitte ses corps. Quitte ses corps. Je dis quitte ses corps maintenant. Quitte ses corps là. Allez. Tu vas partir. Tu vas sortir au nom de Jésus. Père, merci. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vas témoigner la gloire de Jésus. Amen. Jesus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Le Seigneur, il est merveilleux, n'est-ce pas? Oh, je vous sens un peu triste. Est-ce que nous sommes dans la joie? Il est merveilleux, Jésus. Même si on ne vous touche pas, je sais que la foi en Jésus, cette foi en Jésus, le Seigneur est là pour te consoler. Oh, Jesus. Tu es Dieu. Jesus. 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 Cette douleur au niveau de ta tête, c'est comme s'ils t'ont tapé un marteau. Allez, je te maintenant. Tu libères sa tête. Je dis libère sa tête là maintenant. Libère sa tête. Allez, sort d'elle. C'est-à-dire, ils ont. C'est le diable qui tient carrément sa tête comme ça. Allez, maintenant je te dis, enlève ta main sur elle. Enlève ta main. Enlève ta main sur elle maintenant. Allez, tu sors. Tu sors complètement. Je dis tu sors dans, tu sors, tu libères là. Je dis tu libères. Libère là. Je dis sors au nom de Jésus. Voilà. Tu veux même la rendre folle. Tu veux la rendre folle. Le Seigneur la délivre. Tu libères cet esprit là. Oh mon Dieu. Je dis libère là. Je dis libère là, elle sera pas folle. Elle va servir le Seigneur. Je dis libère sa tête complètement. Libère là, allez, libère là.
au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Voilà, comme ça, ta mission est finie. Ta mission est finie. Ta mission est finie dans sa vie. Ta mission est finie. Elle va servir le Seigneur. Elle a longtemps pleuré par rapport à cette situation. Elle a demandé au Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur la délivre. Le Seigneur la délivre. Amène-la devant. Jesus. Oh Jésus. Oh Jésus. Laisse les soeurs. Elle lâche. Lâche-la. Allez, sortez. Allez, sortez. Lâche-la. Allez, sortez. 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 Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta main poussée. Jesus. Voilà. Oh Jésus. Oh Dieu de gloire. Oh, le Seigneur va te consoler, ma soeur. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Tu as longtemps pleuré. Tu as posé tant de questions au Seigneur. Le Seigneur m'a dit de te dire. Aujourd'hui, il t'a exaucé par rapport à tes prières. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Jesus. Alléluia. Tous ceux qui ont mal, passez devant, on va prier pour vous. Tous ceux qui sont condamnés par la médecine, les médecins vous ont condamné. Aujourd'hui, le Seigneur veut briser cette condamnation selon les hommes. Jesus. Thank you.
Mais bien, mais prions. Oh, allez. Thank you.
Jesus. Jesus. Emmanuel. Jésus. Lâche-la. Allez, libère-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Tu vas la lâcher. Je te dis, reviens là. Tu vas venir ici au nom de Jésus. Et parmi nous. De quitter là, je te dis quitte là maintenant, esprit humain, lâche là, je te lâche là maintenant, je te lâche là maintenant, dans les noms puissants de Jésus, tu vas la quitter, tu vas la quitter, tu vas la quitter, tu vas la quitter, je te commande maintenant, tu vas la quitter au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je brise ta force. Pendant que tu es là, tu es paralysé. Ta mission est finie. Ta mission est finie. Allez, à genoux. Voilà. Jesus. Allez, quitte-la. Quitte-la, maintenant. Il y a un esprit humain, il y a un démon guerrier qui est là. Il y a un démon guerrier qui est là, mais le Seigneur la délivre. Le Seigneur la délivre. Je dis, ne bouge plus, tu restes là. Ta mission est finie. Elle va servir le Seigneur. Elle va servir le Seigneur. Elle va servir le Seigneur. Allez, lâche-la. Lâche-la. Allez, sortez. Sortez. Sortez maintenant. Allez, sortez. Sortez au nom de Jésus. Tu vas la libérer complètement. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer maintenant. Tu vas la libérer complètement. Allez, lâche-la. Allez, sors d'elle. Allez, sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Je dis sors d'elle. Voilà, 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 voilà. Oh, la Bible dit tout genou fléchit et toute langue confesse. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur dans sa vie. Jésus est là pour la libérer. Jésus est là pour la libérer, pour la délivrer. Elle va servir le Seigneur. Toi, ta mission est finie. Toi, ta mission est finie. Toi, ta mission est finie. Maintenant, allez. Tout ce que vous avez fait donner à manger là, maintenant, ça remonte, ça sort. Elle vomit tous les esprits impurs. Ça part. Ça part au nom de Jésus. Oh, merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Ta mission est finie. Ta mission est finie. Je te dis déjà, ta mission est finie. Tu libères son esprit, tu libères son âme. Tu libères tout, tu libères. Elle te vomit, ça remonte, ça part au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et parmi nous, Emmanuel.
sa langue. Oh, Dieu guérit sa langue. Jesus. Oh, Père. Alléluia. Jesus. Il y a l'onction. Oh, merci Jésus. C'est... Oh, Père. Oh, Jesus. Dieu guérit sa langue. Dieu guérit sa langue. Jesus. C'est une prophétesse. Jesus. Merci Seigneur. Une prophétesse. Elle va prophétiser cette... Oh, Dieu. Elle va prophétiser. Jesus. Jesus. Oh, oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Oh Emmanuel.
Jesus. Tu as ton, tu as ta clope là. Tu as ta clope là. Il abandonne la cigarette. Il veut plus fumer. Et allez, tu vas marcher dessus. Marche dessus. Il abandonne la cigarette. Le Dieu qui libère. Yeah, yeah, yeah. Qui libère. Yeah, yeah, yeah. Qui libère. Là, tu veux plus, tu veux plus fumer. Tu fumes plus. Je veux prier le Seigneur. Le frère, il veut plus fumer. Il veut abandonner la cigarette. Alléluia. Est-ce qu'on va prier pour lui? On peut prier pour lui. Que le Seigneur, Dieu donne le dégoût. Même s'il a... Vous voulez aussi abandonner la cigarette? Oh, le Seigneur soit glorifié. Allez. Allez. Jesus. Jesus. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, vous n'allez plus fumer au nom de Jésus. J'ai donc le dégoût. Même si vous sentez l'odeur là, vous n'allez plus supporter ça. Au nom de Jésus. Allez, c'est bon. Allez, bon courage. Bienvenue au club. Oh Jésus. Alléluia. Les dieux d'Élie. Les dieux d'Isaïe. Yeah, 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 yeah. Le Dieu d'Élie, yeah, yeah, yeah. Est parmi nous, yeah, yeah, yeah. Parmi nous, yeah, yeah, yeah. Le Dieu qui nous touche. Merci Seigneur. Alléluia, il est merveilleux. Il y a une femme ici. Ils t'ont coupé tes trompes. Tu ne peux plus concevoir. Tu es là. Viens devant. Laisse... Oh Jésus. Je me dis de te dire, c'est lui le créateur. Lui-même, il fait les opérations sans cicatrices. Il remet toutes les choses à sa place. Si tu es là, cours devant ici. Jesus, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Les dieux d'Élie, yeah, 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 qui ressort, yeah, yeah, yeah. Qui remet notre homme dans sa place, yo yo. Parmi nous, yo yo yo. Parmi nous, yo yo yo. Yo. Parmi nous. Jesus. C'est vous pour les trompes. Jesus. Le Seigneur a entendu tes prières. Tu pleurais même pour ça. Tu priais pour ça. Le Seigneur, aujourd'hui je veux entendre quelque chose de ma part. Pendant que je priais pour les gens, le Seigneur me parlait depuis. Mais bon, je voulais un peu esquiver. Mais le Seigneur dit, il faut appeler cette femme. Elle est là dans la salle. Mais là c'est bon. Là c'est bon. Tu vas témoigner, tu vas aller voir ton médecin qui fait encore l'échographie, hein? Là je devant le monde entier. Jesus. Jesus. Au nom de Jésus.
Laisse-toi tes trompes là, maintenant. Le Seigneur fait les opérations sans cicatrice. Il m'a dit de te dire, c'est lui le médecin de médecins, le docteur des docteurs. Ton affaire est réglée. Jesus. Le Dieu de l'île, qui reste pleure plus. Oh Jésus. Oh Jésus. Parmi nous, yo yo yo. Oh parmi nous, yo yo yo. Jesus. Oh Jésus. Sa gloire est là. Tu veux se faire opérer par rapport à tes dents là. De côté droite là. Ici là. Quand tu touches, tu sens un peu, c'est un peu gonflé. Tu es là. Même si tu es au 24 là-bas, la personne est là. Tu as mal de ce côté-là. C'est par rapport à tes dents là. Vraiment, tu as très mal. N'aie pas peur. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Cette douleur-là, le Seigneur veut te guérir. Ça va partir. Le Dieu de l'île. Passe devant. Nous avons fini par là. Le Dieu d'Isaac est parmi nous. Yehoshua est parmi nous. Le Dieu d'Élie est parmi nous. Le Dieu d'Élie est parmi nous. Le Dieu d'Élie est parmi nous. Adonai. Parmi nous, Yehoshua est parmi nous.
En fait, c'était la sœur, elle était au petit besoin. Et c'est toi qui as toujours mal. Ça fait des mois. Et le Seigneur, oui, lui, aujourd'hui, c'est fini. Il n'y aura plus d'opération, tout ça là. C'est fini. Au nom de Jésus. Allez, lâche-la. Ça vient des hommes. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. En fait, à travers cette opération, ça allait vraiment provoquer beaucoup de choses dans ton corps, dans ta vie. Là maintenant, le Seigneur te guérit complètement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur te libère dans ça. Tu ne feras plus l'opération au nom de Jésus. Allez, tu vomis tout. Elle vomit tout. Le Seigneur va s'en occuper. Elle va tout vomir. Il ne faut pas être paniqué. Le Seigneur au contrôle. Elle va tout vomir. Ça dit cet esprit-là. Il dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est pour ça. Allez, ta mission est finie dans sa vie. Allez, quitte-la. Elle vomit tout maintenant. Voilà. Elle va tout vomir. Jesus. En fait, la sœur, cette douleur-là, ça dit, lui ont donné quelque chose, elle a mangé. C'est-à-dire, quand ça va commencer à s'empirer, c'est-à-dire, ça va provoquer des infections, et puis ça va arriver jusqu'à dans le niveau de ses nerfs, et puis crise cardiaque, et puis c'est... Mais le Seigneur est bon. Le Seigneur va, elle va témoigner, vous allez voir. Au nom de Jésus. Soit gris, soit restauré. Au nom de Jésus. Amen. Allez, lâche-la. Lâche-la. Elle vomit tout. C'est Jésus-Christ qui l'a ramenée ici pour recevoir sa délivrance. Elle ne t'appartient plus. Ta mission est finie dans sa vie. Allez. Tout ce qu'elle a mangé, ça part. Allez, tu pousses un cri, tu sors. Je te commande maintenant. Ta mission est finie. Au nom de Jésus. Allez, ramène tout. Au nom puissant de Jésus. Allez, sors d'elle. Ça va partir. Jesus. En fait, c'est des choses qu'ils ont voulu... quelqu'un de sa famille, en fait, c'est son mari de nuit. Elle voulait faire les enfants la nuit. C'est pour ça qu'il faut que... Donc, c'est-à-dire, Dieu va la délivrer. Dieu va la délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Alléluia. Amen. Qui veut recevoir notre Seigneur Jésus? Qui veut le recevoir comme Seigneur et Sauveur? Qui n'a pas Jésus? Qui veut recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur? Qui veut servir Jésus? Qui veut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Passez devant. Venez. Qui veut vraiment le recevoir, notre doudou d'amour? Il est tellement merveilleux. Il est tellement bon plus que bonbon. On acclame le Seigneur. Oh Jésus! Alléluia. Jesus. Vous voulez servir le Seigneur. Vraiment, vous voulez servir le Seigneur. Vous voulez servir le Seigneur. Vous voulez servir le Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur. Jésus. Ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus. Soyez à ma gauche. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus.
Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Qui veut se faire baptiser? Qui veut se faire baptiser? Allez, passez devant. Venez. Qui veut le baptême? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Tu veux aussi faire baptiser? Alléluia. Jésus. Tu es baptisé? Non? Personne n'est baptisé ici. Ok. Vous voulez le baptême, venez ici. Vous voulez le baptême aussi? Ok, on va négocier. C'est des jumelles. On va négocier. Tu veux le baptême, mon grand? Ah là là, tu es tellement. Oh, t'es qui? Jésus. Tu veux le baptême? Oh, que le Seigneur soit béni. Bienvenue. Ah. Ah là 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 là. Que le Seigneur soit béni. Il n'y a que le Seigneur. Le baptême aussi. Oh là là. Baptême aussi. Baptême aussi. Baptême aussi. Tu veux recevoir Jésus? Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Elle était musulmane. Là aujourd'hui. Rokotosana, Rimanda Mambraya, Jesus. Personne n'est comme lui, personne n'est comme Jésus. Personne. Tu veux servir Jésus? Personne. Comme ton Seigneur, personne. Comme ton doudou, comme ton Sauveur, comme oh. Personne n'est comme Jésus. 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 Oh Jésus. Personne n'est comme 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 Jésus. Personne. Vous allez suivre notre frère personne Sébastien qui est là. Jésus. Il est là. Si vous pouvez, tu veux le suivre. Tu trouves une sœur aussi pour le baptême. Et ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur, si vous pouvez aussi parler avec eux, tout ça. Il n'y a que Jésus qui. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer très. Oh Dieu. Oh Jésus. Alléluia. Oh. Oh my God, Jesus. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Il est vraiment merveilleux, Jésus. Il est vraiment merveilleux. Quand il te touche. Ah. Oh. Allez, vous pouvez suivre notre frère Sébastien. Allez-y. Pour les baptêmes aussi, non? Pour la prière, c'est ça? Jesus. Au nom de Jésus. Jésus. Pour les baptêmes, pour les. Vous êtes déjà baptisé? Recevoir Jésus. Alors, à la fin, ne partez pas. On va essayer de parler avec vous. Amen. À la fin, ne partez pas. Jusqu'à ce que dès qu'on finit, vous mettez là. Ma sœur, suis pour les baptêmes aussi. Donc aujourd'hui, baptême, conversion, tout ça là, c'est au. Mmh, oui, oui. Ah, faut pas blaguer avec Jésus. Oh. Quand il te touche, ah, quand il te drague. Ah,
Il y a des paroles merveilleuses. Même si tu dis première fois, tu dis deuxième fois, non. Tu seras séduit. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin. Vraiment, soyez encouragés. Passez un mot bas. Il faut la ramener au bureau là-bas. On va s'en occuper. Acclamez le roi. Que le Seigneur a fait. Des acclamations. Un sujet de joie.